Europe 1, il est 7h03. C'est sans doute un peu la course ce matin, mais aussi le stress de la rentrée pour les parents, pour les enfants, mais aussi les profs qui vont découvrir leurs élèves. Après 2 mois de vacances, il va falloir se remettre dans le bain. Sandrine Prioul, vous êtes en direct devant une école maternelle d'Orléans avec une nouveauté cette année, comme dans d'autres établissements, plus de sécurité. Et dans cette école, il y a eu un aménagement bien spécifique. Effectivement, et Céline, ce que les parents vont découvrir ce matin, ce sont par exemple des clôtures rehaussées pour éviter les intrusions, ou encore ce petit œilleton, un visiophone qui sera installé à l'entrée des 67 écoles d'Orléans pour filtrer les visiteurs. Une volonté de Florent Montillo, adjoint à l'éducation, jadis le monsieur sécurité de la ville. Mon obsession, c'est de faire en sorte que personne ne puisse pénétrer dans une école sans y avoir été autorisé. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les portails ouverts pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça n'est plus possible. Et ça n'est plus permis. Donc il est clair qu'il faut en même temps du visiophone. Pas de psychose, veut souligner l'élu, mais une vigilance accrue, instamment demandée à tout le personnel scolaire dans cette ville qui ne pourra pas poster des policiers devant chaque école. La directrice de maternelle Eliane Boirel compte aussi sur les parents. Cette année, on sera hyper vigilant. Une maman qui était tout le temps en retard, je lui ai dit « soyez plus raisonnable, plus respectueux des horaires, parce que là, ça va être compliqué pour vous, il n'y aura personne qui pourra vous ouvrir ». Certes, mais c'est pas si simple à respecter, répond cette autre maman. S'il y a des parents qui sont en retard, ça n'a rien à voir avec la sécurité. S'il y a un quart d'heure en retard, elles me disent non, on peut pas rentrer, franchement, c'est pas sympa. Alors, sécurité ou pas, voilà déjà au moins une maman qui promet de faire des efforts de ponctualité. Sandrine Prioul en direct d'Orléans. Orléans où François Hollande accompagne Najat Vallaud-Belkacem. Ils sont dans un collège classé en REP, réseau d'éducation prioritaire, qui est passé de 60 à 90% de réussite au brevet. Voilà.